Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Un peu rouillé, glacé en... Salut à tous et bienvenue dans Sillon Sortez. Samedi, à la guinguette de Fontaine, retrouvez Antoine Stripoli à la guitare et Anne Lemarié au violon. Pour une soirée résolument rock, il propose des chansons entre chien et loup. La voix est énergique, puissante et délicate. Les frères Choum sont accros le samedi. Ils sont musiciens inventeurs, futuristes. Ils conçoivent et réalisent des machines sonores destinées à les accompagner musicalement. Machine après machine, ils travaillent pour réaliser leurs inventions révolutionnaires comme le robot trompettiste. Samedi, c'est le début des vacances d'hiver et pour l'occasion, les grottes de la Balme ouvrent leurs portes jusqu'au 3 mars avec des animations spéciales enfants comme la caverne aux 40 voleurs. Ce site naturel rare est une sortie atypique au cœur du monde souterrain. Explication. On a une grande diversité de galeries et on a en particulier des petits passages qui sont les labyrinthes, qui sont très étroits et que souvent on ne peut pas visiter. Et on a également donc plein de concrétions avec des formes particulières. C'est pas seulement des stalactites ou des stalagmites, mais on a par exemple des petits bassins ou des cascades. Une autre richesse dans la grotte, ce sont les chauves-souris. On est dans les premières grottes en termes de diversité d'espèces de chauves-souris. On en a jusqu'à 22 différentes et on peut les voir parfois dans la grotte. Quand on passe dans les trous, c'est tout petit et j'aime bien. Une sortie ludique, ils apprennent des choses, c'est dans un endroit qui change des grandes structures et des grands parcs d'attractions, tout simplement. Faire une balade en famille dans le calme. Pour les adultes, la découverte ou redécouverte de lieux magnifiques, de grandes grottes, de grandes cavernes et de la beauté de ce que la nature nous propose. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.